60 heures pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces deux ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02. Téléspectateurs, il faut démarrer le mois avec le fou rire, ou tout du moins le sourire. Oui, nous sommes aujourd'hui le 1er juin, ce mois qui annonce la fin du premier semestre, oui, et également donc nous sommes au milieu d'année, et également aujourd'hui nous sommes le 1er juin qui dit la journée de l'arbre. Nous sommes également dans un mois où certaines personnes parmi nous vont célébrer leur anniversaire aussi. C'est qui ça? Et donc, du coup, soyez en paix et puis soyez heureux. Je voudrais partager avec vous ce proverbe qui dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous et toutes. » Autant que cela dépend de vous ou dépend de nous. Voilà. On va débattre sur ce petit proverbe tout à l'heure. Mais avant cela, joyeux nouveau mois à toute la famille. Merci, maman Aïcha. Vous allez super bien, maman Aïcha. Bonjour le Thaïlandais. Bonjour, Robo. Non, mais tu dois normalement parler en Thaïlandais. Ça, tu es con. En fait, j'ai compris le look du Thaïlandais, mais je n'ai pas compris la chaîne et la. C'est honnête, ça. Non, il y a les Chinois qui portent ça par moment. Mais la coiffe. Défends-moi, tu sais, mais pas du tout. C'est un style, en fait. C'est un style. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour le Thaïlandais. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien le Thaïlandais. Et que voilà, vous avez eu la grâce d'entrer. Enfin, je constate que vous avez eu la grâce d'entrer dans ce mois et c'est un plaisir. C'est une joie et on rend grâce à Dieu pour la vie. Alors, je reviens dessus. J'avais donné l'information lundi. Finalement, l'affaire avec Caïs Blum a été réglée à la mienne. Il rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc voilà. Merci. Oui. À quoi va KS et à toute son équipe. Ouais. Et tu vas vous séquestrer. Toi, tu es déjà séquestré dans l'hectare. Pour que ça crée un buzz. Ouais. Alors, c'est quel ambassadeur qui va venir vers nous? Je me le demande. Peut-être la Thaïlande, on ne sait jamais. Non, pourquoi pas. Alors, l'ambassadeur des Lomba à Lomé. On va prendre Naïda en otage très très bientôt. D'ailleurs, en tant que son manager, je vais tout faire pour nous créer un concert dans un pays. On t'envoie la gendarmerie. Oui, non, mais quand nous on arrive, même si tu n'étais pas sur le concert, en général on arrive et puis on dit, bon, vous ne nous avez pas payé, mais nous venons chanter quand même. Et on va nous enfermer. Ensuite, on va soulever les autorités et tout ça, et puis ça va créer du buzz. Mais pour le moment, on espère vous garder en otage tous. Bonjour, Émilie. Bonjour, maman. Bonjour, le plateau. Bonjour, Naïda. Bonjour, le Thaïlandais. J'aime bien le chapeau et tout. Merci. Après l'émission, j'aimerais bien prendre ça, si c'est possible. C'est possible. Oui, on doit payer. Non, payer juste un peu seulement. Un peu seulement. Bonjour, David Sandy. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Elias. J'aime bien ton travail.
Bien sûr. Tu me le donnes. C'est normal qu'elle soit. La position est mortelle. Comme ça, je vais faire un look avant de changer de look avant de rentrer. C'est normal que tu l'aimes, ne pas l'aimer sur un crime. Bon Dieu. C'est une belle cravate. C'est une grande cravate. Alors, ne pas aimer la cravate de Elias, ça doit être un crime. Mais ne pas vous dire bonjour ce matin, chers téléspectateurs, téléspectatrices, serait aussi un crime. Alors, bien heureuse, je suis ce matin de vous retrouver. Formidable personne vous êtes et j'ai bien envie de vous demander quel rêve vous avez fait cette nuit. Si vous n'avez pas fait de rêve, sachez quand même que vous vivez une vie de rêve. Pourquoi je dis ça? Parce que votre vie que vous vivez aujourd'hui est le petit rêve d'une tierce personne quelque part. Alors, bienvenue sur le plateau de Nectar. En tout cas, nous, on n'a pas de soucis. On commence bien le mois de juin. Et le seul souci qu'on a, c'est de vous faire passer une matinée féerique. Et avec nous, vous ne risquez pas quand même de vous ennuyer. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, on parle d'œuvres, on parle de production littéraire. Et ce matin, je vais y aller avec la BD. BD, c'est quoi? On en parle quand ce sera l'heure de l'œuvre du jour. Ah, bienvenue. J'aime bien. Tu connais les BD, toi? Ouais, tu aimes les BD? Ouais, je connais. Bon, je connais. C'est un auteur, non? Oui, c'est un auteur. C'est l'auteur BD. Oui. Donc tu le connais? Je connais l'auteur BD. Tu le connais? Je travaille sur un de ses événements. Tu as travaillé sur un de ses événements? Wow. Et comment ça s'est déroulé cet événement? Alors, c'était un événement épique, et très très piquant. Oula. Et puis j'en garde de bons souvenirs. Bah, c'est allô. Copieux. Succulent. Ouais. moi, je le dis sincèrement. D'accord. Alors, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'affectionne particulièrement le mois de juin. Ouais, c'est un mois. Tellement de BD. Ouais. Non, Naïda, ne restons pas sur des BD, s'il vous plaît. Moi, je veux comprendre. En fait. Oui. Il faut que je salue maman rapidement aussi tous ceux qui font des métiers comme les caissiers, ceux qui sont aux caisses, ceux qui vendent les essences, tu vois. Non, l'essence, dans les stations, dans la pompe, voilà, les stations. Dans la pompe? Non, à la station, il faut que je les salue, mais en même temps, il faut que je leur dise de sourire. Il y a beaucoup de gens qui vendent de l'essence. Ouais, il faut qu'ils sourient, maman, c'est important, parce que quand vous venez acheter, il faut un petit sourire pour nous, on en a besoin. C'est comme quand tu gardes ton engin le matin, tu veux prendre de l'essence, et puis la personne te dit qu'ils ne sont pas encore ouverts. At least, au moins, il faut que ça se fasse avec un sourire, tu vois. Il ne faut pas qu'on sente de l'amertume. En fait, ce que je comprends, quand tu arrives, dans la personne. Alors, j'espère que mon message est passé ce matin. Sinon, je vous aime et je vous encourage, les gars. Merci beaucoup, monsieur. C'était un message poignant. Oui. Je ne sais pas si tu l'as constaté. Très. Vous avez constaté la poigne dans le message. La poigne, oui. La poigne. Eh bien, ok. Et nous allons. Nous allons. Me veux une cause. Elle est où allée? Ndi. Mihiao. Mihiao. Mbolo. Mbolo. Assez bien. Negadef. Parlez, dis-moi. Ami, faites du froid, on va découper d'abord. Non, je dis mes bonjour, laissez-moi dire. Non. Vas-y. On reprend. Hello, Ale. Non, laisse-la parler. Vas-y. Mais même cause. Mignon. Voilà, qui pose problème. Alors, donc, c'était pour vous, Sandra. Nous reviendrons tout à l'heure. Bonjour, Naïda. Alors, bonjour à Melka qui est avec nous, bonjour à Victor, bonjour à Rodi, bonjour à Vachana. Nous allons essayer de faire redescendre nos émotions avec cette salutation épique. Et pour l'heure, nous allons partir au Nigeria avec Yemi Alade Johnny. All right. Okay, later.
My people, now well done. Welcome to another special edition of We Don't Catch 'Em. You know how we dey do it for this program. If you dey suspect, say your man or your woman dey play ball outside, this is the program to come. For today edition, one special woman, fine girl, fine anyhow, dey suspect, say her man dey chop ogbono outside. The man like egusi soup. Instead of him to choose egusi or ogbono, he dey mix the two together. As a matter of fact, be like say this man dey mix three different kind of soup together. So now today we go know. Say I where they cry, they see road. Come with me, make we go bust them. Ho ha! Yeah. I'm go to go do it. Sell a bubble on the beat. Sell a bubble on the beat. Yeah, me holiday. It's a spicy baby. Johnny leave me for you, Cynthia. And I don't know what to do. I need to say I know do I'm like the way Cynthia they do. So today we want to ask you, this thing what you do, you think say good to break hearts of more than four women, can't give one belle, promise another one marriage. Where till you get to talk for this matter? Nothing, no. But these women, they say they know you, you friend them, and will come still see you for a quarrel with another one. You want to say you don't know these four women? Eh? Look the four of them where plus the one we carry load. You know them. This class is Mr. White Top. I don't know them. To Canada, you go to yesterday he said he's in Morocco. He done this go. Hey!
petit moment de d'enjaillement. Mon petit moment d'enjaillement. Quand même, c'était là. Bien. Quand même. Non, quoi. Non, la danse, c'était On va tous faire un big up avec un. Non. C'était vraiment épique. C'était un bon moment. Ça avait de la poigne. Oui, ça avait de la poigne. Il y avait de la poigne. Et je suis sûre que BD était très content. N'est-ce pas, Ilias? Je suis dépassé par les événements. Mais, c'était donc pour vous, Johnny, de Yemi Alade, pour vous, très chers amis téléspectateurs. Je sais que vous êtes restés sur votre fin avec les salutations très, très épiques de Sandy. Alors, les esprits se sont calmés, finalement. Vous savez, nous sommes en Afrique et nous avons appris quand même que... Non, il y a plusieurs choses, plusieurs entités, voilà, et tout ça. Et même sans parler d'entités, on nous enseigne à respecter nos aînés, à respecter les personnes qui ont de l'expérience, à respecter les personnes qui sont quand même à un certain standing. Donc, avant de faire quelque chose, il y a des manières de saluer, il y a des manières de parler. Du coup, avant de te demander, je sais que je reviens avec toi gracieusement, avec beaucoup d'humilité. Sandy, bonjour. Dis-le. Dis-le. Et moi, Lydia. Je vais te passer la parole. Non, non, beauté. C'est la suite, en fait. C'est la suite. C'est la suite. D'accord. Alors, s'il vous plaît, la chanson qu'elle nous a enseignée la fois dernière, c'était quoi? Mais j'ai cherché la musique, c'est exactement ça. Deuxième épisode. Qui a dit le contraire? C'est ça, on va faire... Deuxième épisode des salutations de son. J'espère que vous allez bien. C'est avec la joie que nous rentrons encore dans ce nouveau mois. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore atteint certains objectifs ou bien... essayer d'atteindre certains buts et autres, c'est l'occasion de... On a encore le temps, mais vraiment, ne paraissez plus. Hier, je lisais un truc où on disait « Ceux qui se réveillent très tôt ont toujours quelque chose à faire. » Non, ne vous couchez pas juste là à vous réveiller, même si... Elias, il y a quoi? Non, Elias, t'inquiète, ça va aller. Choco. Oh, mais ça va, hein? Ça va. Le réveil matinal, ça se paie. Tu ne vas pas te réveiller juste comme ça. C'est pour un but. Donc, ça va aller. Merci beaucoup à Sandy. Donc, est-ce que tu t'es remise de tes émotions? Ah oui, mais totalement. D'accord. Un petit bonjour. Bonjour, maman Aïcha. Bonjour. Désolé. Bonjour au plateau, bonjour à vous, chers amis téléspectatrices et chers amis téléspectateurs. C'est Nectar, ce sont les fous rires, c'est la bonne humeur. Nous sommes le 1er juin. Pensez quand même à planter un arbre, hein, même si c'est immatif. Bon, bref, c'est pas trop dans le thème, mais pensez à planter quelque chose aujourd'hui, c'est important. On a besoin des arbres pour la planète, on a besoin des arbres pour notre bien-être, on a besoin de la nature. Donc c'est Nectar, ça a très bien commencé, Félix est très dans la nature, on continue. Exactement, et comme tu le dis, on le sait, aujourd'hui c'est la 44e édition de la journée de l'arbre, et depuis quelque temps le ministre donc, des ressources forestières a quand même, est vraiment venu, est sorti dans les médias pour beaucoup parler par rapport à un gros programme qui est organisé pour la reforestation du Togo. On veut un Togo vert d'ici 2030, et donc on parle de plusieurs millions d'arbres, de plants à mettre en terre. Et par exemple, aujourd'hui, il est demandé à tout un chacun de planter un arbre, de faire en tout cas une action verte. Alors ma question, qui sont ceux qui ont les mains vertes parmi nous? Elias? Maman? J'espère que tu comprends mains vertes. Ben, bien sûr. C'est la main qu'avait BD. Ouais, la couleur de la main. Oui. Ouais, je trouve. Tu as la main verte? Ouais, il y a des veines. Il y a des veines. Quand vous... Non, maman aussi, quand vous faites ça, là. Donc, personne n'a de plantes parmi vous tous. Non, je n'ai pas de plantes. Bachana ne lui dit rien. Non, vous n'avez pas de plantes. Alors, qui sont ceux qui ont les mains vertes, déjà, parmi vous? Et Sandra? À part ma collection, ça te plaît. Et Félix, pas toi, ok? Ce n'est pas non plus. Non. Et Émilie non plus.
Bachana, oui, bachana. C'est tout mon corps. C'est pas la main verte, c'est le corps vert. Le corps vert. Ouais. Du coup, ça veut dire que tu n'as jamais fait les travaux champêtres. Si. Tu as déjà fait les travaux champêtres, Émilie? Oui. Moi, non. Non. Et il passe travaux champêtres. Tu en as fait? Oui, beaucoup. Travaux champêtres? Oui. Non, lui, il a fait. Si. Oui, il a fait. D'accord. Moi, c'est avec bâton, j'ai fait. Tu as fait quoi? Moi, avec bâton. Elle dit samedi matin, il va être grand. Même si j'aimais pas, mais j'en ai fait. Non, beaucoup, quand je dis travaux champêtres, je ne parle pas juste des punitions qu'on a fait. Je dis, bah, oui, ça y est. Moi, j'ai semé, j'ai récolté, j'ai semé. J'avais un champ de gombo. Maman, ils étaient en tourisme. J'avais une parcelle de gombo. Ils étaient en tourisme. Ses mes frères étaient en tourisme dans son village. Elle a fait un petit tour au champ. C'est Naïda. C'est moi, c'est à la maison. Voilà, gombo. Du gombo. Un petit jardin. Ça, c'est pas travaux. Ça, c'est pas champ, ce qu'on dit là. Ça, c'est pas champ. Le petit, on le tapait parce qu'il pour manger peut-être, je pense quelque chose comme ça. Mais nous, on était au champ. C'était la conclusion enfin que je voulais. C'était ma chute. Champ, en fait. Nous, on était vraiment au champ. On avait des champs, des hectares à cultiver. Et si vous me voyez, les amis, c'était des moments. À Sotoubois. Non, surtout à Guérin-Kouka. Surtout à Guérin-Kouka et bien sûr à Sotoubois aussi. Et ma Vogueiro. Ce sont des moments que je n'oublie pas, maman. Non, qui sont en plus. C'est une année ou deux. Du tout. J'ai fait ça jusqu'au. Mon frère, pourquoi tu me limites dans le temps? Mais est-ce que avant la main verte, c'est le champ. C'est pas ça. Non, c'est avant pas la main verte, c'est, pas ça. C'est pas ça. Avoir une main qui produit. Qui aime. Ah oui, oui, maman, j'ai la main verte. La main verte, c'est pas forcément, c'est pas le champ général. La main verte, c'est une autre question. C'est une question. J'ai demandé aussi ceux qui ont déjà eu à faire des travaux champêtres. Parce que tant que tu n'as pas fait de travaux, tu ne peux pas savoir si tu as la main verte. Alors, du coup, moi, j'ai semé. On m'a tapé pour faire ça, j'ai fait. On t'a tapé? C'est-à-dire, on ne t'a pas tapé pour guérir. Du tout. Je chantais. Qui a le cœur gay quand on le dit? Non, attendez, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a ceux qui, par amour, par passion, ils prennent les plans, ils sont bons le faire, ils sont contents, ils viennent, ils sarclent, ils désherbent, voilà. Ils plantent, ils arrosent, ils surveillent. C'est toi? C'est nous. Ok. On est content de le faire. Parce qu'on contribue ici à l'économie, on contribue. L'agriculture, c'est le poumon, c'est l'un des poumons de l'économie. Donc voilà. C'est ce qui rentre dans la poche. Pourquoi la petite sœur rentre dans ma bouche comme ça? On a compris. Elle rentre dans ma bouche. C'est une expression. Il a la bouche verte, mais pas. C'est une expression. Maman, moi, comme on dit, je plante des arbres. Tu plantes des plante arbres. Aussi aujourd'hui, tu comptes ton pont. Aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, je me souviens de l'année dernière, hein, c'est ça. On était à la maison des jeunes, à Mandarome, pour une activité pareille. Oui. Je pense aussi aujourd'hui en planter au moins un plan aujourd'hui qu'on doit mettre sur terre. Et voilà, on va essayer, dans la terre. Hein. Toi, tu me déranges, toi. On va essayer de suivre ça. C'est ça aussi le problème. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils vont planter aujourd'hui, mais ils ne vont pas suivre. Il faut un suivi, les amis. Voilà, donc on va suivre ce plan et puis voilà, jusqu'à ce que ça ne grandisse. Je ne crois pas à tout ce qu'il vient de dire. Mais pourquoi? Ce que tu as planté l'année passée, ça fait quelle taille aujourd'hui? Aujourd'hui? Tu as planté quel arbre l'année passée? Par rapport à ma taille? Tu as planté... Quel arbre as-tu planté l'année passée? Où est-ce que c'est à la maison des jeunes même que tu as planté? Oui, il y a une activité là-bas. Oui, je sais qu'il y avait une activité l'année dernière. Voilà. Donc, Est-ce que, comme le dit Félix, tu es allé voir aujourd'hui le plan que tu as mis en terre, il est à quel niveau? Il y a un an. Il est entretenu. C'est vrai, entre ce plan et moi, c'est une histoire d'amour. C'est cerveau. Je vais le voir et puis on discute des fois. Moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Non, mais tu ne parles pas. Non, mais tu parles pas avec tes chiens, tes chiots et tout des fois. Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi tu dis ça? L'arbre, c'est un animal. You are not telling the truth. Qui d'autre a planté l'année dernière? Personne. Bachana, j'ai justement. Tu as planté l'année dernière ou pas? Ah, bien sûr. Planque les moi, on est des planteurs. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Ancolo. Si, j'ai planté. Même derrière mon bureau, j'ai des arbres que j'entretiens. Ah. Tu sais, donc, moi, je crois à ça. Oui. Je crois à ça. Oui. C'est ça? Non. Faut croire. Oui. Faut croire en moi. Vous aussi. Savez, quand nous, on était au collège dans le temps. C'est qui le collège? Le nom de l'école. Aujourd'hui, comme ça, tout le monde doit planter un arbre. Mmh. Et c'est obligé. C'est vrai. De planter.
on a vu la et même vous, école. Vous avez des arbres que vous entretenez toute l'année. Et à la fin de l'année, la note de ton arbre rentre dans les notes de l'agriculture. Oui, bien sûr. Si tu n'entretiens pas ton arbre, tu auras une mauvaise note. Et si on constate qu'avant de partir pour les vacances, tu n'as pas clôturé ton arbre, tu n'auras pas ton bulletin. Tu n'as pas fait quoi à l'arbre? Oui. Nous, on prenait toute la semaine pour planter les arbres dans la ville. Le CG de Bafiloville. Ah, ok. Oui. Bafilo. C'est pas Guirakouka. Non, c'est Bafilo. Tu passes par là avant d'aller. Quand vous allez à Bafilo, vous quittez Bafilo pour Kara, les arbres au bord de la route, c'était nos œuvres. Wow, bravo. Oui. Bravo. Et dans la cour du CG et dans la cour de la poste, c'est nous. Bien. Voilà, tu vois, là, quelqu'un, là, des preuves, il a des preuves. Mais moi aussi, je peux vous donner des lieux où... Le CG a créé une forêt tout autour de la préfecture, sur la colline de la préfecture. Il ne sert à rien de mettre un arbre et de ne pas l'enlever à terre et ne pas surveiller. Voilà. Si c'est ça, 1er juin, donc... C'est pas la peine. Merci beaucoup, Bachana. Alors, Sandy, toi, tu as la main verte. Hein, et tu adores, malheureusement, heureusement, tu adores les fleurs. Et tout ça. Comme maman Aïcha, d'ailleurs. Moi, je pense qu'elles ont ça en partage. Déjà, dans l'enfance, quand j'ai commencé par aller voir la grand-mère à Gomiglozou, c'est là où j'ai commencé par aimer parce que vous vous réveillez le matin après avoir pris le petit déjeuner, vous devrez vous rendre puisque là-bas, il y a la riziculture qui marche, il y a les goyaviers, les pamplemousses. Donc, c'était au fait la passion. Oui, la pisciculture. Effectivement. Donc, déjà, on allait au champ pour de divers. Et ma grand-mère aimait tellement les toutes petites tomates qui ressemblaient aux raisins. Les tomates cerises, on plantait ça. J'ai connu ça. À part ça, nous avons aussi les goyaviers et autres. Bon, on prenait les goyaviers en plante qu'on replantait. Tout ça là, donc j'ai de l'expérience quand même. Je sais faire les maïs. Tu sais faire quoi? Le maïs, planter les maïs, récolter après. L'arachide, la patate douce, c'est des petites expériences. Non, j'ai jamais eu l'expérience de l'igname. J'ai jamais. À part ça, il y a cet amour aussi pour les animaux. Au fait, quand j'élève les animaux aussi, ça. Au fait. Les animaux. Oui. Vous êtes ensemble. Domestique. Ah si. Oui, ça marche bien aussi. Alors pour ce 1er juin, le gouvernement voudrait qu'aujourd'hui, parce que c'est une opération qui va prendre beaucoup de temps, donc pour ce 1er juin, au moins 300 000 plants. Sont produits normalement pour aujourd'hui 300 000 plants. On les récupère pour, tu dis? On les récupère où? Oui, bon, là, au niveau des préfectures, oui. Il y a une bande annonce qui passait à la télé. Oui. Il y a un lieu où il faut récupérer. Oui. Peut-être après Nectar, on va jouer. Exactement. Il y a la bande annonce qui passe depuis plusieurs jours maintenant sur la télévision togolaise. Donc, allez-y et récupérez les plants et puis joignez-vous à l'ensemble. Du peuple togolais, parce que nous tous, nous devons justement lutter par rapport à la reforestation de notre pays, parce que on le sait, on parle beaucoup de l'environnement, on parle de tout ce qui se passe aujourd'hui, et il est fort important pour nous d'arriver à ce statut de Togo vert d'ici quelques années. Voilà. Alors rapidement, on va lire quelques messages, très chers amis. On a bonjour, la douce émission. Bonjour. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. L'arbre, c'est un monde. Yao Akapo depuis le Mali et dit c'était ma pensée du jour. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Et aux téléspectateurs. Bonjour. C'est Fabrice depuis Atiégou. Même si je n'ai rien à faire et que je pourrais rester plus longtemps au lit, pas pareil, c'est l'heure de Nectar qui m'encourage à me lever, à faire mes petits soins et à revenir puiser dans vous,
ma dose de bonne humeur pour la journée et ça marche à tous les coups, on dirait une injection. Courage et merci à vous. Merci infiniment à vous également. Et toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. C'est beau, hein? Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour dire bon début de juin à la famille nectarienne. C'est François Attendi depuis Baie. Merci beaucoup, monsieur François. Bonjour, Nectar. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Très bien. Vous êtes très beau, c'est monsieur Vincent depuis le Niger. Merci. Bonjour, Nectar. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des jumeaux Achou et Etché depuis Agbelouvelo. Achou et Etché. Miedo. Namilo. Ah, je crois que tu allais le faire, hein. Comme tu as commencé avec miaou, miaou. À toi, tu es miaou, lo. Miaou, miaou. J'adore, maman. Bonjour, l'équipe Nectar. Bonjour. Bonjour. Spécial à Elias. Bonne fête de l'arbre à nous tous. Merci beaucoup. Good morning. Morning. Watching direct from Ghana. Who is going to explain the discussion in English for me to understand? Which one? The discussion. What you were saying? Yeah. Are we talking about going and swimming? Wait, guys, why are you doing this? No, I'm trying to explain to translate please. What we just said in French. Okay, to the guy, you know, in Ghana, right? Yeah. Or USA? Yeah. Ghana. Ghana. So let me come to the Ghana language, you know. Yeah. Down, low one. Yeah. Okay. So we're talking about going. You know, today is the day in Togo. That right in Togo, right? It's not in Africa. Is the word? Is the word? Yeah. Really? Okay. International Day of Trees, you know. So we are encouraging you guys, you people that are watching us, to go and maybe today sowing at least one tree. Because one tree is very important. One tree? One tree. T-R-E-E. Go out and please go and sow one tree today. It's very important because what you sow today is going to help the whole world nature and the world we keep safe. If you go and sow a tree today, that will help us, bro. So go. Yeah, bro. You know, whatever. You know, that's the word. That's what we're saying. Thank you. Okay. Et là, c'est le seul pasteur qui prie en disant ça va aller bébé. C'est vrai, ce sont des lapsus. Ça sort. Ça sort sans lui. Alors, bonjour, ma splendide famille nectarienne. Bonjour. Et là, c'est sérieux lorsqu'il dit avoir travaillé sur BD. Oh. C'est pas croyable. En tout cas, je vous souhaite une radieuse journée et un partant merveilleux mois. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Burkina Faso et on ne rate jamais. Vous êtes formidables. Très bon mois de juin. Et puis ce monsieur, franchement, je crois qu'il faut qu'il soit décoré. Je parle du sage de la famille, le Batina. Ça faisait longtemps. Batina. Batina. Voilà. Alors, merci de la part de Batina. Batina. On va le découvrir. Somebody. Tu vas leur dire Sobodi, n'est-ce pas? Oh, voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sérieux, la famille? Alors, les Chinois parlent la langue des... Les Chinois parlent-ils la langue des chats? Sandra? Et puis, non. Ok. Est-ce que tu veux reprendre le bonjour? Non. Nous-mêmes, on ne veut pas pour elle. Oui, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Juste pour vous féliciter ce matin, vous êtes tous très magnifiques, plus que tous les autres jours encore. Kossi Mado depuis Atakwami, merci à vous. Bonjour merci à beaucoup. Vous tous. Bonjour. Je vous aime trop et j'aime beaucoup le sourire que vous nous donnez. Mais monsieur Elias, franchement, il est une bibliothèque à part. Et je ne crois pas que quelqu'un de si raffiné que lui ait déjà pratiqué les travaux champêtres. Elias, gazé quand pour moi. Il a tout fait. He's a hard worker. Oh my goodness, coming from your mouth, just like a blessing. Elias come on. Is a hard worker. Yeah, come on, mommy. C'est vrai qu'il est raffiné comme ça. Je suis fin. Naïda et ça. Yeah. Je suis fin et tout, mais. Alors on a Elias, congratulations. Thank tu es super bien en anglais.
Thank you. Ok. Bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. Alors, bonne fête de l'arbre à tous. Essayons tous de planter un arbre et de l'entretenir. Merci également à l'équipe pour avoir aidé hier par rapport à mon inquiétude et spécialement à Monsieur Bachana. Bonne journée à vous tous. D'accord, c'est le monsieur qui avait envoyé le témoignage par rapport au défunt. À l'ami qui veut épouser la veuve. Voilà. Merci infiniment. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous aime tous, mais à vrai dire, il y a deux personnes spéciales pour lesquelles je suis toujours. Mmh. Je parle de Sandy, l'esthéticienne, et également. Elle est calme et sage. Et également de son mari, qui donne souvent les sages conseils sur, sur le plateau. Les deux sont un très beau couple, classe et mince. Et ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Alors, on vous embrasse tous. Et c'est Hilda depuis l'Italie. Merci, chère Hilda. Salam, Nectar. Je vous écris depuis le Gabon. Mbolo. Bonjour le plateau. Bonjour. Très beau mois et surtout Elias, je te kiffe trop. On se kiffe les gars, on se kiffe. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que s'il vous plaît, on peut voir tout le modèle de Naïda? Naïda. Non mais attendez, vas-y, c'est toi. On termine, c'est ton nom qui est sorti là en fait. On est tombé sur toi comme si tu veux les chansons. Tu veux la musique? Non, elle veut pas. Elle va se lever elle-même. Si après tu ah non mais attends Naïda, tu en jettes Voilà. C'est beau. J'espère que vous êtes satisfait. Hein. Mmh. Bonjour la famille. Bonjour. Alors je vous merci pour tout ce que vous faites Dieu, merci pour vos vies. Bon début du sixième mois, c'est de la part de Monsieur Fabregas. Et il y en a beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis congolaise, je suis au Togo depuis le 10 mai dernier. Okay. Et depuis que je vous ai découvert le 12, je vous suis chaque jour. Oh. Je vous aime beaucoup et vous êtes très, très rigolo. Merci beaucoup pour les conseils également. Puis je passe. Oui, vous êtes libre de passer. Merci. La télévision togolaise se trouve où? Miaou. Moi, je voulais lui dire Nalingio. Oh, David, tu as quoi avec les langues ce matin? C'est oh, quoi? Another level. Là, c'est avec ce choc très épique que nous allons donc passer au jingle et ensuite après retrouver directement le psychologue Saf. Le choc piquant. Psychologue, ça fait avec nous aujourd'hui. Hier, nous avions donc commencé à jeter les bases des troubles comportementaux ou pas? Ce sont des troubles. C'est des troubles alimentaires. Voilà, des troubles alimentaires. Et on avait commencé avec les explications déjà. Nous parlons de la boulimie et de l'anorexie. Et je reviens sur ce qui a emmené ce sujet. Il s'agit d'un téléspectateur qui nous a envoyé un message en disant qui a une de ses sœurs qui a fait longtemps, hein, qui est revenue de Siam, voilà, qui est revenue de l'Europe, et qui était malade. Donc après moult analyses, on a fini par lui dire qu'il n'y avait rien, que son problème était beaucoup plus psychologique.
on l'a envoyé chez un collègue à vous, c'est-à-dire un psychologue. Le psychologue, la dame, bon, elle avait, disons, quelques appréhensions. Peut-être qu'elle se disait, c'est l'Afrique, est-ce que le psychologue va être vraiment bon et tout. Donc, elle a insisté pour que le témoin soit avec elle lors de la consultation. Et c'est là où le psychologue, après, a dit, ben, écoutez, vous souffrez de boulimie. Alors, notre témoin a envoyé, appelé sur le numéro de Nectar pour dire la boulimie, demander à M. Saf de l'expliquer. Et puis, surtout, vrai, là. En Afrique, on parle beaucoup de... On a un certain rapport avec la nourriture. Donc, à certains endroits, les gens ont du mal à trouver, à manger. À d'autres endroits, vous avez dit que Elias et moi et Naïda, nous étions des gourmands. C'est que nous trouvons et puis nous ne voulons pas lâcher la nourriture. Est-ce qu'en vrai, on peut souffrir de boulimie ou d'anorexie ici? Bonjour, M. Saf. Oui, bonjour le plateau. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Je pense que déjà hier, on a déjà amorcé le sujet. Et donc, la boulimie, oui, qu'on soit africain ou européen ou asiatique ou américain, on peut souffrir de la boulimie, d'autant plus que c'est des facteurs qui interviennent dans l'installation ou la genèse de ce trouble. Est-ce que vous voulez, alors, s'il vous plaît, rappeler, peut-être pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, ce que c'est que la boulimie, au fait, de façon terre à terre, c'est le fait d'avaler une grande quantité de nourriture, en quelque sorte, et à un rythme très, très accéléré. Et en un temps record, on pense encore à un second tour ou à un second repas. Donc c'est ce que ça veut dire la boulimie. Il y a eu des appels hier qui disent quel est le temps. Parce que si par exemple, tout à l'heure nous mangeons, à la fin de l'émission, il y a ces mots, on va manger Kwedigaou, comme on aime. Et on se dit à 10 ans, on se retrouve chez notre dame d'Aïmoluto. Est-ce que là nous sommes boulimiques? Jusque-là, de façon comme ça, on peut pas dire que c'est la boulimie. Mais il faut aussi voir d'autres éléments qui entrent en jeu lors de la consultation. C'est-à-dire vos ressentis quand vous mangez ça, qu'est-ce que ça vous donne? Est-ce que vous vous sentez bourré? Bon, il y a beaucoup d'éléments quand même. Mais quelqu'un, je donne un exemple, hein, mais quelqu'un qui prend une grosse quantité de pâtes le matin, et puis qui va travailler, et ça voudrait dire que l'énergie est partie. Mm-hmm. C'est normal que cette personne mange après 2 heures ou quelques heures. Jusque-là, on ne peut pas dire que c'est la boulimie. Mais si, lors de l'entretien, on voit certains éléments qui entrent en jeu, on peut poser ce diagnostic de boulimie. Vous avez parlé du fait de se faire vomir après avoir mangé. Oui, il y a certains qui consomment cette grande quantité de nourriture et juste après vont aller vomir et revenir encore manger. Hein. Alors qu'en temps normal, ça devait être dégoûté. Si tu vomis juste après, tu as cette sensation parce que quand on vomit, soit on a un problème au niveau gastrique, au niveau intestinal, ou soit c'est parce qu'on a dépassé le pic ou bien le niveau ou bien le seuil de satisfaction. Donc, en temps normal, si on vomit, il doit y avoir un dégoût juste après le fait de manger encore. Mais le fait d'aller vomir et revenir, consommer encore la même nourriture, donc ça crée un problème. Et je disais aussi hier que et la boulimie et l'anorexie peuvent coexister en une seule personne. Donc c'est ça. Oui. J'aimerais aussi que, je sais pas si hier il a fleuri, mais j'aimerais qu'il nous le dise, la différence qu'il y a entre la boulimie et la gourmandise. Mm-hmm. Exactement, c'est ce que je dis, c'est aussi la fréquence, d'accord? On peut être gourmand, on peut manger et avoir peut-être le goût pour certains aliments, d'accord? C'est plus la gourmandise, c'est-à-dire on aime certains aliments qu'on mange beaucoup de quantité de ces aliments. On peut dire j'aime beaucoup manger la pâte à des mains, j'aime manger la pâte avec ou bien le foufou. Donc quand on retrouve le foufou, on le mange à un niveau où on dépasse même le seuil. Ça c'est plus la gourmandise. Et maintenant, et puis la gourmandise aussi, on n'a pas envie de donner.
il y a cet aspect de ne pas donner aux autres. D'accord. Vous voyez, on n'a pas envie de partager. C'est fou ce que je vois des caractéristiques chères à certaines personnes. Ouais, la, on le gourmand ne veut pas donner. Donc, en fait, la gourmandise, ce n'est pas le fait d'avoir de l'appétit, de manger à satiété. Non, quand vous avez l'appétit et que vous mangez jusque-là, ce n'est pas un problème. C'est le corps qui demande. Jusque-là, il n'y a pas un problème. Du moment où vous sentez le besoin de manger, vous mangez, ce n'est pas un problème. C'est lorsque ça entraîne des questions de santé sur vous, par exemple l'obésité, vous mangez, vous avez l'indigestion, vous mangez, vous avez des sensations désagréables. C'est en ce moment on peut parler de problèmes. Mais si j'ai faim, par exemple, on peut se lever dans certaines journées, on n'a pas envie de manger. Il y a d'autres jours, on a cette envie de manger à répétition. Ça dépend de ce que l'organisme fait, quoi. Voilà. Généralement, la boulimie, celui qui est boulimique ne mange pas devant les gens. Naturellement. Généralement, ils se cachent. Oui, naturellement. Naturellement. Ils savent que la quantité qu'ils mangent. Oui, c'est extrêmement. Et puis, on peut faire un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de repas en même temps, quoi. Et vous allez voir une quantité, quand on parle de boulimie, c'est une quantité énorme hein, de repas que la personne mange, quoi. Alors, est-ce que y a des questions qui sont venues, donc on va à vous entendre expliquer. Nous, quand on parle français, on utilise donc boulimique de façon, on utilise l'adjectif. Oui. Mais là, on se rend compte qu'en fait, lorsque vous expliquez le boulimique, bon, clair, c'est un dérapage, hein, c'est une maladie. Oui, mondiale, c'est un trouble carrément qui s'installe, qui peut s'installer comme une maladie. Et ça n'a rien à voir avec, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec les personnes obèses en fait. On peut être mince et être boulimique. Oui, 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 c'est justement ça. Ce n'est pas forcément manger et devenir grande personne. Non, il y a des gens, vous allez voir, assez minces, mais qui sont boulimiques. C'est un peu ça, c'est le paradoxe. Il y a certains, par rapport à leur métabolisme, ils ne vont jamais grossir. Il y a des gens génétiquement qui ne vont jamais grossir, même s'il est boulimique, il ne va pas grossir. Ouais, mais c'est un trouble, donc c'est quelque part une souffrance interne qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui génère cette souffrance? Qu'est-ce qui, à partir de quel moment quelqu'un se lève et puis commence par avoir des troubles alimentaires? On est en Afrique. Oui. Particulièrement au Togo. D'accord. En fait, parler des causes, je préférerais parler des facteurs parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a des prédispositions aussi. Hein. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs psychologiques aussi qui sont là. Quand je prends un exemple simple, les gens, certains corps de métier demandent beaucoup d'énergie. D'accord ? Oui, demandent beaucoup d'énergie. Et donc, il faut consommer pour avoir assez d'énergie et tenir dans le temps. Ça peut vous entraîner vers la boulimique. Et ça, c'est un cas, je parle de ceux qui font le bulding, je ne sais pas quoi. Bodybuilding. Il y a des gens qui doivent consommer. Beaucoup de quantité. Vous allez voir quelqu'un qui peut manger 2 poulets, 3 poulets. Voilà, donc pour pouvoir tenir dans le temps. Il y a aussi le métier, le corps de métier qui est là. Mon oncle, oui, mais parce que Batiana même mange 2 poulets, 1 poulet entier. Mais psychologue, c'est et pourtant, oui. S'il ne mange pas ça le lendemain, il perd du poids directement. Oui, c'est pour dire que c'est quelque part une souffrance aussi. Parce que à un moment donné, vous êtes conditionné à le faire, parce que c'est votre métier. C'est de l'autre côté aussi, l'autre côté de l'anorexie, où il y a certains corps de métier qui demandent à avoir certains aspects physiques, où tu ne dois pas manger pour garder le corps svelte, pour pouvoir tenir. Donc, ton corps de métier t'oblige à faire une restriction alimentaire
pour garder la taille et pouvoir tenir dans le temps. Donc, c'est deux versants. Quand je prends le stérisme, le malekina, beaucoup de personnes sont anorexiques. Félix serait-il anorexique? Voilà, c'est ce que je le disais comme ça. Non, Félix, moi, il ne faut pas caricaturer les gens. Félix, c'est une question maman a posée. C'est pas donc, vous voyez, donc c'est les deux versants. Le métier peut vous entraîner vers là. En dehors du métier, il y a aussi genre, hein, le genre est très important dans cette notion. Quand je prends l'anorexie, les femmes souffrent plus d'anorexie que les hommes. Ok. Naturellement, oui, parce vrai. Que les femmes, voilà, on veut être comme ça. Oui. Le regard de la société, ce que les gens disent de vous. Donc, quelqu'un qui commence à prendre du poids, cette personne est très alertée par son augmentation de poids, donc la personne ne veut pas manger du tout, garder son style de vie et tout. Donc il y a ça. Maintenant, il y a les causes comme la souffrance psychologique. Cette souffrance psychologique que vous entraînez vers le fait que vous mangez de trop ou carrément que vous ne mangez pas. Quand je prends le cas d'une dépression, par exemple, quand je prends le cas d'un décès, d'un échec, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont là, d'un divorce. Il y a des gens, lorsqu'ils ont d'une déception, ou en tout cas un problème sentimental, voilà. Au lieu de pleurer, ils cherchent un refuge dans la nourriture. Voilà, mais c'est là, ça. Mais là, ce n'est pas encore de la boulimie. Ça peut entraîner la boulimie. Non, parce mais tu te manges un carré de chocolat et ça te conforte en fait. Non, jusque là, c'est dans la boulimie, il faut voir la quantité que la personne et la notion de répétition de ça quoi. C'est-à-dire dans la boulimie, il faut voir la quantité et la notion de répétition. Donc quelque part dans les cas ce que vous appelez les goumets, les chagrins et tout, la personne a une agressivité qui n'arrive pas à orienter vers peut-être celui qui l'a entraîné dans ce gourmet. Mais donc, cette agressivité maintenant est orientée vers la nourriture. Ok. Donc, elle devient en fait agressive. Oui, au fait, quand vous observez le boulimique manger, vous voyez qu'il y a quelque part une agressivité. Parce que le rythme avec lequel la personne mange, c'est très rapide. Voilà, c'est très rapide. On avale. Donc, vous voyez quelque part qu'il y a une forme d'agressivité que la personne oriente. C'est comme un combat qu'on fait avec la nourriture. C'est ça. Quoi. Donc voilà. Excusez-moi. Ouais. Pour certaines, comment je vais le dire, certaines obédiences, oui. Je vais dire ainsi, ouais. On a grandi sur le principe de. C'est-à-dire que vous êtes peut-être 12 ou 10 enfants dans la maison. Je comprends déjà. Et on vous sert dans un. On vous sert. Et puis, voilà, il y a Tabaski, il y a Ramadan, on vous sert quoi, et on met tout le plus rapide mange quoi. Ça. Et vous variez entre 5 ans et 12 ans, 15 ans. Et on est quelque part, on vient avec la main, et puis on comprend donc le vous système. Connaissez ça. Non. Non, mais sérieusement, certains ont appris l'agressivité avec la nourriture parce que si tu n'es pas smart, ouais, tu peux pas avoir, tu vas pas pouvoir manger. Ouais. Le temps que oui, c'est voilà. Et là, vous-même, vous venez de montrer une technique, une tactique. Ouais, parce qu'on avait fait tout ça là. On prend ce genre d'habitude et qu'on grandit, ouais. Même quand on a le plat seul en face de soi. On est toujours. Oui. Voilà. Oui. Ça marque. Oui, au fait, c'est pour c'est cela. De l'agressivité. Oui, c'est pour cela, lors de l'entretien, il y a beaucoup de choses qu'on fouille pour comprendre. Si c'est un truc que vous avez acquis depuis votre enfance, on ne peut pas le classer dans la boulimie parce que c'est une technique pour arriver à sortir de ce lot où il y a une nourriture qui est là. Il faut qu'il y ait un combat pour arriver à manger. Parce que je me souviens même, on sort le repas de la cuisine, tellement chaud, mais les gens ne peuvent pas attendre parce que si tu veux attendre, ça va finir. Donc il faut savoir apprendre à manger chaud là. Et donc nous, on était dans cette technique et on. À plein jojo. Et c'était intéressant. D'ailleurs, c'était très intéressant de. Ah, mais oui. C'était très intéressant parce que moi, j'étais le plus petit de.
la maison. Donc, moi, je mangeais avec mes oncles et tout le monde. Donc, moi, il n'y avait pas question de... Donc, je savais manger parmi les grands et puis je savais comment parier, esquiver. Je savais même comment esquiver les poissons et tout. Donc, c'est des techniques qu'on apprend quand on est en famille. Ça, c'est différent. L'avantage d'être le plus petit. Voilà quoi. Donc, il y a ça. Lors de l'entretien, on fouille tout ça. On comprend que ça, c'est carrément quelque chose qu'il faut écarter. Il y a beaucoup d'éléments qu'on écarte. Mais c'est lorsqu'on constate qu'il y a quand même une souffrance qui est là, il y a un facteur déclenchant, et c'est en ce moment qu'on peut poser ce diagnostic en disant. Et quelque part, la personne même a ce sentiment de souffrir. Parce que le témoin nous dit que sa sœur, elle mange en pleurant. Voilà. Mmh. Vous voyez, la personne même, pleurant. Exactement, la personne même, lors de l'entretien, vous voyez la notion de souffrance. C'est-à-dire, la personne le fait, mais n'arrive pas à dire non. Et ça le fait mal, mais il doit faire. Parce qu'en le faisant quelque part, cette personne trouve la satisfaction en faisant ce massacre sur la nourriture. Vous voyez? Oui, c'est un massacre. Parce que c'est quand vous voyez même le rythme que la personne mange, vous allez dire, c'est le temps même que l'autre nourriture n'est pas encore descendue dans le sevrage, on envoie d'autres, et ainsi de suite, quoi. Alors, Semifa, tu avais une question ou pas? Il a déjà répondu. Sandra. Ok. Moi, j'aimerais savoir, quand on parle de l'anorexie, pourquoi souvent on le compare à des personnes minces? Est-ce que les personnes en forme aussi souffrent de l'anorexie? Oui. Ce n'est pas une question de forme. C'est justement ceux qui commencent par développer la forme qui disent je ne veux pas aller là. Voilà, donc c'est un peu ça. La plupart des obèses vont commencer par dire je fais régime. Tu entends des trucs comme ça, je fais régime, je ne mange pas. Donc ce n'est pas que la personne n'a pas envie de manger, mais la personne fait cette violence sur soi et puis dit je ne mange pas, même si l'envie est là. Vous voyez, donc. Comme je l'ai dit, pour certains corps de métier, ce n'est pas que ces personnes n'ont pas faim, mais ils vont dire je vais manger une pomme par jour. Alors, ok, une dernière question s'il vous plaît. Monsieur Saf, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui peut pousser une petite fille de 10 ans qui prend une décision de ne plus manger les soirs? Mais c'est très simple, c'est la puberté et il faut garder sa forme. On veut faire plaire aux gens, on veut, maintenant on commence par voir que son corps est en train de faire des déformations. Quand on commence l'adolescent, il y a des déformations physiques, et morphologiques, physiologiques qui sont là. Et donc on se dit, ah, il faudrait que je garde ma forme. Donc, comme je le disais, il y a ces facteurs qui interviennent. Les adolescents souffrent beaucoup de l'anorexie. Est-ce qu'on peut parler de boulimie aujourd'hui avec toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui mangent des grandes assiettes, des menus variés, ils se mettent à manger devant les gens pour avoir des likes? Tu en avais parlé. Quelque part. Quelqu'un est devenu obèse et presque mourant dans cette affaire. Oui, quelque part, je dirais oui. Quelque part aussi, c'est pour faire croire aux gens que je suis à l'aise. C'est pour démocratiser la boulimie ou... Non. En fait, cette histoire des réseaux sociaux, il faut faire extrêmement attention. Les gens, bien vrai, quand vous-même vous voyez la quantité de repas, vous vous dites, mais est-ce que quelqu'un peut manger ça? Mais vous allez voir, étonné, la personne va manger. Fini. Ça rentre dans la boulimique. Maintenant, l'autre côté de la chose, c'est montrer au fait que je suis à l'aise, quoi. Au fait. Quelque part, c'est pour influencer, quelque part, c'est pour dire que j'en ai, je mange à ma satisfaction, à ma faim. Mais ça peut être un élément, une manifestation de souffrance. Parce que, comme on vient de le dire, les vrais boulimiques sont derrière les écrans. Ils ne veulent même pas que les gens les voient, comme vous venez de le dire. Les vrais boulimiques, on ne veut pas se faire voir. En voyant la quantité de repas, parce que les gens vont se poser des questions. Donc, si quelqu'un vient sur des réseaux sociaux, montre tout son repas, c'est qu'il y a encore un autre problème psychologique qu'il faut véritablement trouver.
Alors, on a Émilie qui a une question. Oui, alors si je vous suis très bien, psychologue, Tiaf, l'anorexie, c'est le contraire de la boulimie. Carrément, si je vous suis oui, très bien. Oui. Alors, moi, j'ai une amie à moi qui me dit souvent, quand il fait frais, elle n'arrive pas à manger. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est l'anorexie? Genre, quand il pleut et qu'il fait frais, elle n'arrive pas à manger carrément. Toute une journée, elle peut rester comme ça. Oui. Donc, est-ce que ça tend vers l'anorexie ou bien c'est normal? Ça, c'est normal, peut-être c'est son organisme, peut-être le moment, le temps, son organisme peut provoquer ça. Maintenant, il y a aussi des cas de saison, comme vous venez de dire, des cas de saison. Il y a certains moments de la journée ou bien certaines périodes de l'année, vous n'aimez pas consommer un certain nombre de repas. Oui, il y a certains moments de l'année, par exemple, si vous savez que ces repas sont très lipidiques, vous souhaitez ne pas les consommer quand il fait peut-être chaud, ou bien vous souhaitez les consommer peut-être, ne pas les consommer peut-être quand il fait froid. Ça dépend des organismes des gens. Parce que quand vous les consommez, vous avez des effets, ou bien certaines sensations qui vont vous dire que si vous connaissez bien votre corps, votre organisme, vous allez savoir que tel aliment, je ne peux pas le consommer à tel moment. Jusque-là, on ne peut pas dire que c'est l'anorexie, mais c'est lorsque la notion de répétition et de souffrance est dans cette question, il faudrait qu'on voit. Est-ce que le fait qu'en cette période de pluie, la personne ne mange pas, le fait souffrir? Est-ce qu'il y a cette notion de souffrance derrière? Alors, voilà. Est-ce que ça peut, on peut avoir des troubles passagers? Oui. C'est-à-dire que c'est. Oui. Quelqu'un va dire j'ai souffert de boulimie sur un mois. Oui. Et c'est passé sans pour autant consulter un psychologue. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a risque que cela revienne ou pas? Oui, il y a les risques parce que sûrement il y avait un déclenchant. Il y avait un déclenchant qui a provoqué qu'on a fait cette anorexie sur une période donnée. Donc si les conditions sont encore réunies, la personne peut faire la même chose. Okay. Donc, pour terminer, Monsieur Saf, vous savez que vous attendiez à ça. C'était le débat sur lequel on a terminé hier. Et j'ai ceux qui sont avec moi, Félix et Elias. Oui. Nous disons que l'impossible pour un Togolais de dire qu'il fait des crises de boulimie ou bien d'anorexie. Anorexie, c'est-à-dire que tu vois la musique et puis tu dis non, quoi. Maintenant, par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que toi-même, tu te vois et puis tu dis non, je refuse de manger en ces temps-ci. Tu vois la nourriture. Elias, est-ce possible? Non, non, non. C'est pas possible. Bon, Félix, je n'ai pas compris c'est la, pas question. Possible. La question. La question, c'était. Tu ne peux pas être anorexique. Non. C'est ça la vraie chose. Parce qu'on vous a déjà posé la question hier. On sait que vous avez énormément de patients. Oui. Avez-vous, en toute honnêteté, sans dévoiler le secret professionnel en profondeur, reçu des patients qui souffrent d'anorexie? C'est-à-dire que la personne, vous vous rendez compte que la personne, elle trouve à manger, mais elle dit non. Oui. J'ai reçu, pour l'anorexie, j'ai reçu plein. Je ne peux même pas compter, parce que... l'anorexie, comme madame a dit, l'adolescent est couplé à l'anorexie. Vous voyez? Les filles à l'adolescence font cette crise d'anorexie. On ne veut pas du tout manger pour garder sa forme. Vous voyez? Et maintenant, pour certaines femmes que j'ai reçues, c'est après l'accouchement. Vous voyez? Donc, après l'accouchement, ces femmes prennent du poids. Et du coup, on veut garder la ligne. Et donc, on tombe dans l'anorexie. Ce n'est pas un truc qu'on invente. C'est au Togo, ici. À Lomé, il y a des gens qui sont très, très regardants sur leur ligne de corps. Très regardants. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, quoi. Quand ça bascule, c'est tout un problème. Donc, il y a une dame que j'ai reçue qui, le matin, monte sur... La balance, le soir, qui retourne voir s'il y a un truc. J'ai vu des gens comme ça, ici. Vous voyez, cette personne qui le matin se lève, va aller sur la balance pour voir combien ça pèse, le soir revient, c'est pour voir ce que j'ai mangé dans la journée, qu'est-ce que ça m'a donné comme... voilà. Il y a des trucs comme ça qu'il faut comprendre.
La boulimie, je peux dire que c'est 3 fois que j'ai reçu en consultation les cas de boulimie. C'est vrai que c'est très rare que j'ai reçu. Mais quand même, il faut dire que si moi j'ai reçu 3, alors les autres psy reçoivent combien? C'est je vrai. Ne sais pas. Mm-hmm. Les autres, voilà, sur d'autres positions, on peut avoir aussi beaucoup de cas. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, les gens en souffrent. D'accord. Ouais. Il y a une dame que j'ai reçue pour la boulimie dont je vais juste décrire, peindre un peu le tableau clinique, qui cherche à avoir à être enceinte, qui ne trouve pas. Ah d'accord. Et qui met cette agressivité là sur la nourriture. Voilà. Donc, il y a plein de facteurs qui vous balancent vers ces trucs, quoi. Donc, c'est tellement profond. Et je ne vais pas dire tout ce qu'on reçoit comme vraiment des témoignages, mais qui, quelque part, vous fait très, très pitié. Cette dame s'est mariée à presque 18 ans, si je mets cette année, parce que l'année passée, c'était 17 ans, sans enfant. Et donc, le monsieur part, la dame est à la maison et consomme tout dans le frigo. Vous imaginez. Donc, le monsieur revient et trouve que c'est vide, le frigo. Et quand on remet, le lendemain, la dame consomme encore tout. Vous voyez, donc c'est des souffrances que les gens portent et que c'est lors de la consultation que je découvre que c'est ce besoin d'avoir un enfant qui est là. Qui est là qui est là. Et donc on est en train de voir s'il y a une procédure d'adoption, si c'est possible. Donc pour pallier à ça, pour que cette souffrance puisse... Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments, donc ne dites pas que au Togo, non, ça dépendra de là, de votre position, de vos réalités, sinon ça existe. Et c'est parfois quand vous voyez ça, c'est des souffrances véritablement, quoi. Donc la dame ne sort pas du tout de la journée, elle suit sa télé, elle cherche des chaînes, elle est sur des chaînes où elle doit trouver des émissions sur comment faire pour avoir des enfants et tout. Et donc, tout le temps, elle grignote tout ce qui est au frigo, quoi. Donc, vous voyez. Elle est vraiment... Elle met toute sa frustration sur... Voilà, la nourriture. Donc, c'est des trucs qui existent. Par rapport à nos troubles, aux troubles alimentaires, alors si vous voilà. avez des personnes autour de vous qui vivent des troubles, il faudrait peut-être penser à ne pas juste les juger, à ne pas dire plusieurs choses et à les diriger vers les personnes compétentes, dont les psychologues, c'est très important. Alors, Elias... Avec les explications du psychologue, je comprends que toi, tu es juste dans la gourmandise. Non, la plupart du temps, quand on observe ses comportements, on commence par moraliser. Mm-hmm. Tu manges de trop, toi tu consommes comme, je ne sais pas, un cochon. Les gens disent des trucs qui font encore plus. Voilà. Chercher à comprendre pourquoi la personne à un moment donné a un changement sur le comportement alimentaire. Chercher à comprendre. Yes, demande à ce qu'on cherche à le comprendre. Tu es juste gourmand, il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, les gens qui jugent même plus que la personne. Ah, ça c'est à revoir. C'est à revoir. À de petites quantités. Non, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont le même problème. Ah oui. Petite et on te dira que toi... Oui, je vois la technique là chez les femmes. On va prendre le numéro de téléphone. Comme des cas. Après, quand tu viens, tu trouves encore comme des cas. C'est pour tromper la vigilance. Alors, mais c'est ça, il faut y aller avec le numéro. Oui, le 90 83 65 59 pour contacter le psychologue SAF. Vous avez donc une question, mais là on va parler plutôt avec un diététicien. Est-ce que le grignotage, non, le grignotage, parce qu'on aime bien grignoter, ça n'a aucun... Voilà, on va plutôt en discuter avec un diététicien, ne vous en faites pas. Merci beaucoup, monsieur Saf. Merci. Et après, il faudra nous enseigner la technique pour tabasquer. La main. Pour la main. D'accord. Savoir manger chaud et prendre les plus grosses parts de viande et de poisson.
C'est dans un, c'est dans au moins 10 jours. Donc, on va programmer avec vous des. On a le temps de s'entraîner. De s'entraîner, exactement. Vous allez nous enseigner. Ou bien vous faites une petite démonstration de comment. Non, c'est vous êtes dans un. Vous êtes dans un rond. Oui, d'accord. Maintenant, il se peut que même l'espace ne suffit pas pour que toi tu puisses avoir l'accès à l'assiette. Donc, tu es un peu reculé, mais tu trouves le temps de tourner des gens et puis tu vas là et puis tu viens comme ça. Le bras qui tourne. Attends, c'est le bras qui tourne, le corps qui tourne. C'est le bras tu ne vois même pas là où. Mais toi, tu fais. Moi, ce qui est important à savoir là-bas, c'est que c'est pas comme ça. Non. C'est comme ça. Tu fais comme ça. Tu puisses le faire. Là, couvrir le bois. Mais là, on l'a égoméné. Bon, chapeau. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Saf. Merci. On va retrouver Sandra dans Pépite Beauté avec son invité juste après ceci. Ce message qui dit bonjour la famille. Bonjour. Si on me renvoie du boulot, c'est à cause de vous. Oh. Vraiment, vous mettez la joie dans mon cœur et je me crois au Togo en même temps. Bonne journée, c'est monsieur Aï Fabrice depuis Abidjan. Ah là là, ça fait plaisir. Bonjour Nectar. Bonjour. Ah là là, monsieur, ça fait déjà partie. J'ai un ami qui a un comportement bizarre par rapport à la nourriture. Pour lui, c'est quand il y a des manifestations, soit enterrement ou mariage. Il peut aller dans deux endroits différents pour bien manger, puis revenir à la maison et vomir pour repartir ailleurs. Est-ce qu'il est en train de souffrir de la boulimie? Oui, mais Bachana! Non, il y en a qui font. Il y en a qui font, effectivement. Il non, mais est-ce que nous tous, à un moment donné, quand même, imagine, on reçoit une invitation, on tu casses des pompes la veille. Oui, non, tu seras sur qu'il y a un événement qui s'est trouvé. On est mangé. Ils ont mangé, ils ont vomi dans les toilettes, ils sont venus nous manger. Waouh! Wow. C'est parce qu'il y avait de la nourriture et puis on voulait manger tout. Voilà. Donc on vomit. On vomit et puis on. On mange tout, pas ça bien. Du tout, c'est du tout. Bien. Quand c'est plein, c'est plein. Et puis il y en a, c'est quand ils voient que c'est beaucoup, ils mettent tellement. Mais par contre, aller à 3 invitations en une soirée, bon quoi. C'est une bonne chose. Exactement, c'est ce que je dis. Tu vas léger, léger, léger. Tu manges léger, léger, léger. Ah, vous savez, il y en a qui font dans la même fête, ils peuvent venir manger. C'est terrible. Alors, avant qu'on ne revienne donc à vos messages, quand même, nous sommes avec Sandra qui ne mange pas beaucoup du tout, du tout. Ça fait que ça me fait plaisir à chaque fois qu'elle nous invite. N'est-ce pas? Elle nous laisse sa part, on mange bien c'est sa vrai, part. Hein. Et il y a ces mots, on aime beaucoup aller chez Sandra. On aime aller chez Sandra. Les bons là. Hein. Les bons là. Ça fait un bail quand même. Ça veut bon. Alors, est-ce que désormais, quand on vient, on a le code, hein, vous venez chez Sandra, la nouvelle référence est Mian. Dès qu'on fait Mian, vous avez donc droit à un. Vous avez droit à un plat. Bonjour Zelda. Je suis désolée. Bonjour maman Isha. Bonjour à tous et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, parce que la dernière fois, il y en a quand même qui m'ont fait la remarque que j'ai dit bonjour à la famille ici, mais pas aux téléspectateurs. Oh. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, donc, bonjour à tout le monde. C'est la belle Miss Zelda qui est encore avec nous aujourd'hui. On va parler d'un événement qui se prépare très, très bientôt en complicité avec la nouvelle référence. Eh oui. On était là la dernière fois et on a eu à vous parler d'une expo qui commence demain, voilà, si tout va bien. Et Zelda Fashion et la nouvelle référence, voilà, on pensait aux jeunes entrepreneurs,
voilà, qui font des merveilles, mm-hmm. qui seront avec nous du 2 au 6 au restaurant Odessi, juste derrière le supermarché Queen Store. Mm-hmm. Voilà. Alors donc, ces jeunes entrepreneurs-là, justement, parce que quand on dit jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que vous mettez dans jeunes entrepreneurs ? Toi et moi, nous entreprenons dans le fait d'aller manger chez les gens. Sans vomir. Alors, est-ce que quand vous en parlez, c'est par rapport à l'âge de l'entrepreneur ou du projet ? Du projet ou à l'âge de l'entrepreneur ? Voilà. On va plus parler de l'âge du projet et les débutants dans quelque chose. Parce que je disais la dernière fois qu'il y a des talents qui sont tellement cachés, mais des fois... Vous vous réveillez, vous essayez quelque chose et vous faites la remarque que ça peut marcher et on essaie. Donc, ce sont ces personnes qui viendront mettre en valeur tout ce qu'elles savent faire, tout ce qu'ils savent faire, ainsi de suite. Donc, on a un terme même à débat qui est très important. C'est quand est-ce qu'il faut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? C'est une question qui revient, mais beaucoup n'ont pas la réponse. Il y en a après tant d'expériences, on se retrouve toujours pas. Et il y en a qui vous diront, mouais, ça n'a pas marché. On aura des personnes ressources pour mieux parler de tout et voire même diriger certaines personnes. Parce que des fois, on veut faire pour faire. Des fois, c'est parce que l'autre fait, je veux faire. En même temps, on peut prendre les mêmes tissus et les transformer autrement. Mmh. On peut prendre des mèches qu'on peut refaire autrement. On peut pas avoir les mêmes idées de créativité. Mmh. Donc, ce sont ces personnes qui vont se réunir pour pouvoir valoriser ce qu'elles savent déjà faire et ça va encore créer d'autres contacts et ambiances. C'est D'accord. ça. Donc, il y aura du partage. Oui, ce sera du partage. Voilà. Et ce partage, ça sera sur chaque jour d'exposition. Oui. Ou alors il y a une journée précise où il va y avoir. Oui, le premier jour dans la matinée, comme vient de le dire ma grande sœur, demain. On va débattre là-dessus, on va parler de beaucoup de choses. Je vais un petit peu rajouter à ce qu'elle a dit en disant qu'il y a un an qui se disent, est-ce que on entreprend parce que c'est un don, c'est venu naturellement, c'est un don de la famille parce que on voit l'OMU aujourd'hui, ce qu'on appelle les nanabins. Mm-hmm. C'est beaucoup s'inspirent un peu de ça en nous demandant si voilà, on doit se baser là-dessus en disant c'est un don naturel ou on apprend à le faire. Donc on va en parler, on va parler de beaucoup de choses, ça va être intéressant. J'invite tout le monde à venir. Ceux qui voulaient vraiment, que la nouvelle référence leur file des secrets. Alors là, je vous dis de venir demain, vous ne serez pas déçus. La nouvelle référence va filer des secrets sur le fait d'entreprendre la nouvelle référence va filer des secrets sur la peau. Bon, au fait, il y aura les deux. Il y aura les deux parce que la plupart des temps, vous avez quelques groupes de jeunes qui viennent vous demander comment vous avez fait pour réussir dans ça, comment vous avez démarré. On va parler un peu de tout parce que sachez déjà que pour démarrer, c'est pas facile. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé par, en tout cas. Demain, on en parle. Il y a plein de secrets quand même. Mais c'est pas facile. On se lève pas avec des millions pour démarrer quelque chose. Exactement. Bon, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Il faut aussi de la bonne volonté. Oui, il y a la détermination, la persévérance aussi. Surtout la persévérance aussi. Sinon, il y en a qui ont commencé, qui ont baissé les bras. Il arrive des moments où moi-même j'ai failli laisser tout tomber, mais... Impossible, n'est pas Sandra. Sandra, non. C'est du miaou, là, que tu fais. Alors, on parle de Afrochic qui démarre demain, et c'est du 2 au 6 ou au 5. Du 2 au 6, hein. Du 2 au 6. Du 2 voilà. au 6. Et chaque jour, il y aura exposition. Exactement. On va retrouver des jeunes entrepreneurs avec tout ce qu'ils font. On avait eu la fois dernière de super jolies créations sur le plateau. On avait des serre-têtes, des... C'est ça l'entrepreneuriat. On avait des serre-têtes et plusieurs autres choses qui ont été créées par ces entrepreneurs-là. Alors pour toute personne qui a envie, non seulement de pouvoir s'offrir ces créations, c'est le lieu de se rendre demain au restaurant Odessi qui se trouve derrière le supermarché Queens, qui est où? En allant
le grand, voilà. C'est surtout en quittant Limousine pour Denis. Oui, c'est en quittant Limousine. C'est le grand rond-point juste avant celui juste de... Juste avant de Lyon. Exactement. Limousine pour de Lyon. Exactement. Si on vient de Lyon, c'est le rond-point après. Après. C'est l'occasion aussi pour connaître les deux Lyons. Il y a un Lyon qui... Il y a un Lyon qui est tourné vers la gauche et un Lyon qui est tourné vers la droite. Il y en a qui ne connaissent pas deux Lyons. Les gars, allez voir les Lyons. Non, après avoir fait le tour de l'exposition, oui, on va visiter les lions. Aussi, là. Avec les lions. Ça, là. J'espère qu'ils ne vont pas bouger. Je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier. Je remercie vraiment tout le plateau. Et merci vraiment pour ta grande gentillesse. Hein. merci spécial à Sandra aussi. Elle sait vraiment pourquoi. Et je profite pour dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, les jeunes entrepreneurs qui seront là demain. Il n'y aura pas que des accessoires, hein. Il y aura des transformations agroalimentaires, okay. Il y aura plein de trucs. Il y aura l'Olison Global, par exemple, qui vend des champagnes à base de vin de panne. Okay. Il y aura Pébica Bitters qui vend les secrets de famille, des petites astuces, voilà. Il y aura Rosaldam qui fait des paniers avec voilà, ce qu'on appelle à bâcher nous, les nattes. Il y aura plein de trucs. Ferry Bonnie, Winky A, la nouvelle référence, Zelda Fashion et d'autres personnes encore. Ayor Batik, Bella Batik. Alors, je vous invite vraiment à venir nous soutenir. Exact. C'est très, très important. Très important. Dernière question pour venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Est-ce qu'on vient juste visiter? Et ensuite, on paye pour assister à ces formations? Comment on fait? Faut-il payer? Faut-il ne pas payer? L'entrée est libre et gratuite. L'entrée libre et gratuite. Et mais c'est tout est payant. C'est de 9h à 23h. Et c'est de 9h à 23h. On le rappelle encore, de Lyon, Queens, au restaurant Queens Store. Supermarché Queen Store et le restaurant Odyssey. Merci infiniment. Les numéros de téléphone. Le 91 11 88 08 96 91 89 51 90 27 92 00. Voilà. Bien. Les numéros ont été donnés. Merci infiniment, Zelda, Fashion. On se retrouve. On oublie le karaoké. Oui. C'est juste pour Sandra que je vais venir. Venez encourager Sandra. C'est samedi, on va venir faire karaoké. C'est le dimanche. Venez encourager Sandra. C'est dimanche. J'ai déposé les clés. Là où tu sais. Alors, donc, il y aura karaoké pour clôturer. Dimanche. C'est le dernier jour. Oui. L'avant-dernier. L'avant-dernier jour. Et pour venir, vous pouvez venir. Vous avez déjà eu tout le loisir de pouvoir apprécier les talents musicaux de ce soir de la musique. Maman Isha, j'oubliais un bisou spécial à mes loulous à la maison. Hein. On m'a dit, maman, tu ne m'as pas fait coucou la dernière fois. Alors, bisous à Mémé, merci d'être là pour moi et les enfants. Bisous à mes loulous, bisous à tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet. Voilà. Et là, c'est le moment où on fait le bang-bang. Bang. Merci beaucoup. Allez, on va cette fois-ci retrouver Émilie. On va parler d'une œuvre. On va retrouver donc l'ami de M. Elias, BD. J'espère que lorsque Émilie va nous parler de BD, tu vas te retrouver vraiment dedans. C'est parti. Bernard Dadier, vous savez. Pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces deux ateliers de formation pratique.
Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au Motion Design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02. On a le plaisir d'avoir Bédé avec nous sur le plateau. Bonjour. C'est qui Bédé? Bobby Dream. Bonjour. Vous allez bien? Comment allez-vous? Bien. Super. D'accord. Tu vas bien également. Bon, chers téléspectateurs. Non, il n'y a pas de brother, tout est dans, tout est carré. Ouais, c'est carré. Vous voyez, je suis tranquille. D'accord. Merci. Prends bon. Bédé. Prends bon. Et Willy? Oui, rebonjour, ma chère, rebonjour le plateau. Rebonjour à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Au début, BD a posé polémique par ici. Mais quand je parle de BD, c'est juste abrégé. Voilà, je parlais de bande dessinée. Voilà, BD, c'est bande dessinée. C'est pour mon frère. C'est ça, non? C'est pas ce que tu as dit, mon frère. C'est pas un séminaire, c'est pas un auteur, c'est ça. Eh bien, quand on parle de BD, eh ben, c'est une mode de narration qui utilise les images dessinées, incluant des paroles, des pensées, des sentiments, des protagonistes. Et les amoureux vraiment de BD ont baptisé ça 9e art. Et au Japon, on les appelle les mangas. Alors, quand vous écoutez manga, sachez qu'on parle de bande dessinée, mais que ce soit en Europe, ici au Togo, en Afrique, on dit plutôt bande dessinée. Et les Japonais aiment bien l'appeler quand même manga. Alors, ce matin, pourquoi je parle de bande dessinée? Parce que je me suis souvenu qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont fini, qui sont à la maison, voilà. Ceux qui ont déjà passé le probatoire, c'est le temps de rendre vraiment utile vos moments de vacances. C'est petits enfants aussi qui sont à la maison, de ce CP1 au CM1 qui ne passent pas le CPD sont à la maison. Alors ça tombe bien. Prêtez-moi votre attention ce matin. Et si papa est là, eh ben, dérangez-le pour que papa vous paye quand même l'œuvre que je vais présenter ce matin. Et bon, la BD qu'on découvre aujourd'hui est une production de l'auteur togolais Steve Bojona, alias Steve de Boj. Et c'est nommé Essol le petit curieux. Essol le petit curieux. Déjà, quand on a le titre, eh ben, ça pousse quand même à découvrir ce qu'il y a dans l'œuvre. Et quand on parle d'un petit curieux, eh ben, comprenez là que c'est un enfant qui pose beaucoup de questions. Alors, dans la BD, Essol le petit curieux, Essol, c'est un enfant de 9 ans qui est au CM2, qui vit dans une famille avec une ambiance conviviale. Tout se passe très bien. Mais comme tous les enfants curieux, il va commencer par se poser des questions, va remettre en question tout ce que l'enseignant lui dit à l'école. Par exemple, quand on prend la fête de Noël dans la bande dessinée que je vous présente ce matin, Essol demande « Mais pourquoi à Noël, il ne neige pas au Togo comme il a l'habitude de le voir ?» Quand on joue... Que t'as dit BD par rapport à cette question cruciale? C'est une question existentielle. Vraiment, une question existentielle. Pourquoi il ne neige pas au Togo et tout? Et on va tout au long de la BD répondre à ces questions de Essol, le curieux. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette première parution, la première parution de Essol, le petit curieux, porte le titre « Essol, le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo ». Alors, avec ce BD, croyez-moi, vous avez l'occasion de découvrir les fêtes traditionnelles et les rites initiatiques en pays Kabyé, en pays Bassa, Akposso et tout. Alors, c'est l'occasion aussi de découvrir encore notre cher pays, le Togo. On crée 228, mais il y a des choses qu'on néglige. Alors, c'est l'occasion de découvrir les fêtes de chez nous via cette BD. Pourquoi c'est bon pour les enfants? Parce que c'est une image.
Et je rappelle que souvent, quand on dit BD, il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, c'est justement pour les enfants, mais non. À partir de 8 ans, l'enfant peut quand même lire une BD, mais adulte aussi, vous pouvez lire des BD. Et beaucoup d'adultes préfèrent les mangas, parce qu'il y a beaucoup plus d'action dedans. Que ce soit adulte ou enfant, les BD vous sont conseillés. Ça dépend de la BD que vous choisissez. Alors pour les enfants qui sont à la maison, eh bien, faites-vous plaisir. Les parents, je vous invite quand même à aller chercher l'œuvre là. Et ça, le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo. Il y a d'autres parutions toujours dans cette lignée, mais je m'intéresse spécialement à ça ce matin. Alors ce sera tout pour l'œuvre du jour. Et c'est l'occasion aussi de vous dire, pour tous ceux qui aiment bien parler lecture, tous ceux qui aiment bien parler œuvre, ne lésinez pas d'efforts pour m'écrire, si je peux donner un numéro rapidement. 96 55 73 78 96 55 73 78. Et on va parler de BD, on va parler de romans, on va partager quand même beaucoup de choses. Et si vous avez d'autres œuvres à proposer, pourquoi pas. Mais ce matin, je vous conseille Et ça, le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo. Merci beaucoup. On parle de fêtes traditionnelles et c'est vrai que nous sommes dans le mois de juin. Oui. Très très bientôt, on va commencer justement les fêtes traditionnelles. Il y a ce petit curieux. Il y en a une plus précisément qu'on aime beaucoup et qu'on attend. Tu vas y aller. Maïcha, j'ai une idée. Voilà. On l'envoie à Girankuka et on sort. Il y a ce petit curieux. Mmh. Girankuka, c'est la fête d'Ignam. Ignam. C'est comme Abassa. C'est la zone. Et moi, je suis Ivala. Toi, tu es Ivala. Ivala, c'est pour bientôt. On parle des sorts, donc. Ivala, c'est pour bientôt. Ouais, il faut que j'y aille. Tu iras. Ouais. Tu iras faire te combattre. J'ai déjà essayé la lutte, je vous ai dit, on m'a battu, bien sûr, il faut que je prenne ma revanche. Voilà. Je suis fière de toi. C'est énorme, c'est important. Il y a aussi cette fête-là dont on a parlé déjà sur le plateau ici, Batian avait donné plusieurs précisions, c'était donc les rites initiatiques chez les peuples, où on te frappe et tu ne dois pas pleurer. On te garde frappe. Donc ce que nous allons faire en ce moment, c'est... Avec Elias et Rodi. Comment? Pourquoi moi? Elias et Rodi. Les reporters de Dakar. Il y a Félix. Mais non, maman Aïcha, on va le faire en direct. L'oncle va, l'oncle va les frapper et puis. Non, l'oncle ne peut pas les frapper. Il y a Félix là-bas. Il y a Félix. Un bon reporter. Il y a notre Félix n'est pas encore assez âgé. Il y a un bon reporter, c'est celui qui va en immersion. Ouais. Donc, et qui vit l'action. C'est nous. Voilà. Vous pouvez lancer en direct. On reporte. Vous connaissez la date et si vous avez des fêtes traditionnelles, des rites initiatives. Appelez-nous. Écrivez-nous sur le numéro. Nous vous enverrons Elias et Rodi. On va venir faire le billet d'avion et tout compris. Allez, logement, tout frais. Il y a Air Canter. Maman Aïcha, à la station, là, il y a Air Canter. Non. C'est vrai, quoi. Tu veux bien l'avion. Mais vraiment, tu es grave. Air Canter. Alors, on a. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit. Alors. Oui, et le coût de la bande dessinée, est-ce que tu l'as... Oui, mais bon, écrivez et on va donner ça. Alors, on rappelle une dernière fois le numéro, si tu permets. 96 55 73 78 96 55 73 78. Ok, 96 55 73 78. 73 78. Bon, 96, 55, 73, 78. Via WhatsApp et ça passe. 96, c'est comme les trucs de tri. 3 fois 3. Des trucs visuels et auditifs. Ça fait en même temps de l'autorité. Tri. Des chiffres. Merci beaucoup, ma très chère Rémi. Bobby, tu es habitué, hein, tu sais que voilà, les chiffres c'est, là, c'est pas la peine. Et on va rapidement terminer cette émission parce que nous avons reçu un message sur lequel je voudrais vous faire intervenir tout en chacun. Rapidement, on a bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Moi, je voudrais qu'on puisse parler ce matin de quelque chose qui arrive. Parlons-nous. Vous avez parlé la fois dernière des jeunes hommes qui aujourd'hui ne sont plus tenaces au niveau de la drague. Je voudrais savoir comment est-ce que les filles font pour avoir aujourd'hui un cahier avec 3 chapitres. Le chapitre de celui qui donne l'argent pour les cheveux,
le chapitre de celui qui donne l'argent pour l'habillement et le chapitre de celui qui est là pour nourrir ta famille. Les filles, là, c'est quelle fille? Alors, comme dit Naïda, les filles, là, c'est quelle fille? C'est quelle fille? Dites, trois chapitres, là. Dites-moi, s'il vous plaît, parce que c'est ce que je viens de... Bon, c'est ce que j'ai vécu, je m'en rends compte. Je suis tombée sur le cahier de bord de ma chérie et je suis le troisième, celui qui se charge des cheveux. S'il vous plaît, à quelle époque on est et pourquoi vous faites ça? On va demander à celles qui ont des cahiers. Ouais. Elles ne sont pas sur le plateau. Donc... Alors, est-ce que déjà vous avez entendu dire ça? Est-ce que ça existe vraiment? Ou peut-être que votre chérie a juste voulu vous faire peut-être jouer un tour? Bon, je oui, vas-y. Je sais que il y a des filles qui ont plusieurs mecs, ça arrive. Mm-hmm. Il y a des histoires qui coulent et les mecs qui sont découragés, les hommes qui sont découragés dans ce sens-là. Mais il ne faut pas globaliser, ce n'est pas toutes les filles qui sont comme ça. Il y en a qui bossent vraiment et il y en a qui ont une seule personne. Et qui veille sur tout. Mais ouais, des fois, mais la personne ne donne rien. Mais eux-mêmes, ils se battent pour faire ça. Donc, faut pas globaliser. Moi, je crois que le téléspectateur déjà n'a pas globalisé. Mmh. Il parle de. Non, mais les femmes, pourquoi vous faites ça? Ouais, il a dit les femmes, pourquoi vous faites ça? Ça arrive quand vous êtes sous le coup de l'émotion, vous sortez des phrases, etc. Voilà, on comprend. Moi, ce que je retiens dans son histoire, dans ce qu'il a dit, c'est que c'est une réalité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. D'avoir, par exemple, une fille qui a trois partenaires hommes ou quatre partenaires hommes, la réalité du cahier... Les hommes qui ont trois partenaires femmes, oui, bon, on va parler ça existe. Ah ben, il y a des filles qui ont plusieurs partenaires hommes. Et des hommes aussi. Et des hommes aussi qui ont plusieurs partenaires femmes. Une pour la maison, une pour la... Normaliser, toujours, pas toujours normaliser. Ici, au plateau, on décrit ces hommes qui ont des partenaires femmes. On les décrit ici. Donc, permettez qu'aujourd'hui, on parle de ses filles. D'accord. Qui ont des partenaires hommes. On est tellement d'accord avec toi, Elias, mais je suis passionnée. Voilà. Continue. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que maintenant, concernant les cahiers qui existeraient, j'en sais pas trop. Mais je sais quand même que c'est une possibilité. Mmh. Il peut y avoir des filles qui, pour bien gérer et pour ne pas se perdre... Entreprise, ya. Tout est question de gestion, n'est-ce pas? Entreprise, ya. Maman, écoutez. Maman, je suis très conscient de ce que je dis. Oh, ouais. Écoutez, il y a une fille qui dit, alors, je veux gérer quatre hommes. Pour y arriver, il faut quand même qu'elle soit ordonnée. Pour que ces hommes-là ne puissent pas venir se découvrir un jour ensemble. Donc, du coup, forcément, je crois, c'est pourquoi il y a ces cahiers. Maintenant, je ne suis pas en train d'encourager cette pratique. Non! Je suis en train de la dénoncer. Voilà. Donc, monsieur, pour répondre finalement à votre question, d'abord, je suis désolé que vous ayez ou que vous soyez tombé sur une fille pareille. Mais à vous, je dis, est-ce que c'est vraiment la fille qu'il vous faut? Mmh. Voilà, c'est la question que je pose et je me tais. D'accord. Alors, je trouve qu'Elias a répondu. J'ai pas trop envie qu'on tire sur ce. Donc, la sagesse d'Elias nous inonde sur le plateau. Du coup, on a une autre question. Merci, Melka. On a un autre message et on va faire intervenir tout le plateau également, Batiana. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est bon. Ce qui me fait mal, c'est le nom. Mais c'est pas grave, je vais quand même donner le nom. Aïcha. Cela fait 3 mois que j'ai commencé pas à sortir. Heureusement que c'est pas au Togo. Cela fait 3 mois que j'ai commencé pas à sortir avec Aïcha. Maman. Non, c'est pas maman. C'est pas maman, c'est pas maman. C'est dans un autre pays. Et s'il vous plaît, je voudrais dire que quelles que soient les fêtes, quels que soient les enterrements, quel que soit ce qui se passe dans la famille, je dois toujours donner de l'argent pour qu'elle remette à sa maman. Je voudrais poser une question à votre oncle. Est-ce qu'il est normal, pendant que nous ne sommes pas encore mariés, que je prenne autant soin de la famille de ma chérie que j'aime beaucoup? À part ça, elle est respectueuse. Voilà. Depuis le Burkina Faso. Bonjour. Laïcha, vous êtes là? J'ai trop pensé à la main. La question, il ne faut même pas poser. La question est posée à Batiana, voilà. Et Rodi, tu vas nous aider. Moi, il faut que Rodi aussi réponde, maman. Rodi va répondre, ouais. C'est clair. Il faut qu'il nous dise s'il accepterait ça. Oui, oui. C'est dingue.
Alors, Bachana, on n'est pas encore mariés. Est-ce qu'il est bien de prendre soin autant de la famille de la femme? Oui, merci. D'abord, moi, je voudrais savoir si la fille est musulmane. Bon, le nom dit qu'elle est musulmane. Si c'est le cas, en tant que musulman, quand il y a un décès, on n'a pas besoin que le beau-fils donne de l'argent pour l'enterrement. On n'a pas besoin. On ne demande rien au beau-fils. Il n'est pas encore beau-fils, en vrai. Bon. C'est le vilain-fils. Oui. En tant que musulman aussi, ce n'est pas nécessaire de donner de l'argent à la famille. Si la famille se respecte en tant que famille musulmane, ils ne recevront rien de ce monsieur parce que c'est illégal. Donc, il n'a pas à donner chaque fois de l'argent. Bon, au lieu de donner chaque fois de l'argent, va demander carrément à la mère de ta copine, marie-la, il faut la marier. Au lieu de rester loin, chaque fois envoyer de l'argent. C'est tout ce que je trouve à dire à mon Merci frère. Merci beaucoup, Bachana. Alors, Elias? Moi, je crois que, vous savez, quand l'homme, enfin, donne, c'est avec joie. Ça se fait normalement. Ouais. Ça ne s'impose pas. Ça s'impose c'est pas. Vrai. Moi, je trouve que c'est avec amour. Ce sont des preuves d'amour, en fait. Chérie, nous avons un funérail, par exemple. Il faut qu'elle soit belle. On est d'accord. Ouais. Donc, dans ce cas, c'est pour être belle parce qu'elle dit que c'est, il dit que c'est pour la maman. Naïda, j'en viens. Il faut qu'elle soit belle. Ce sont des choses qu'on fait avec amour et cœur. Et de même pour la maman. Si, par exemple, la belle-mère en aurait besoin, le monsieur, il pourra donner par amour. Ce sont des preuves d'amour. Mais c'est quand ça devient une obligation. C'est quand la fille commence par exiger que tu dois nous donner ça, sinon, et tout ça. Ouais. Je pense que c'est là, Rodi a dit un mot que j'ai beaucoup aimé. C'est là, ça devient de l'arnaque, en fait. Voilà. Sinon, normalement, ces gestes-là sont des preuves d'amour et tous les hommes conscients vous diront que, avec plaisir, ils le feront. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est quand ça devient une obligation qu'elle vient à chaque fois et elle est Tu dois donner sinon, la famille dira mon homme. La force de le faire, ouais. devient obligatoire. Oui, c'est ça. C'est quand il le faut ou bien il laisse. Mais pas quand il le faut. Émilie, en tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose qui retient le monsieur, c'est le respect de la fille. Parce qu'il a ajouté ça à la fin du message. Si vous plébiscitez les femmes vraiment, vraiment respectueuses, alors je pense que la discussion peut quand même régler ce problème. Respectueuse, chaud. Parler franchement à votre conjoint. Quoi. Ouais, franchement. Parler franchement à votre conjointe. Dites-la, mais nous aussi, on a eu une famille à fonder et tout. On ne peut pas quand même dépenser nos économies, porte à famille. Et je parle du respect. Il y a aussi une histoire de respect là-bas. Si il y a un homme qui veut t'épouser, qui n'a pas encore fait les pas, et cet homme utilise de l'argent, porte à famille, un jour à l'autre, cet homme peut se permettre de parler mal de la famille, de parler n'importe comment aux membres de la famille. Et désolé, tu ne pourras rien dire. Alors il faudra vraiment, via la discussion, quand même régler tout ça. Mais le monsieur aime bien la fille, c'est pourquoi il a ajouté elle est respectueuse. Merci. Elle est respectueuse, moi je comprends rien de là. Comment respectueuse de mon respect, on voit rien du respect. Moi je dirais, si le monsieur arrive à soulever le problème, c'est qu'il y a un kick. Il se dit, je donne de l'argent tout le temps pour la famille, et en contrepartie, qu'est-ce que mais je gagne? Est-ce qu'il est obligé? Il n'est pas obligé. Mais s'il donne deux à trois fois, et puis la quatrième fois, la fille s'entendra qu'on donne quelque chose. C'est là que ça devient obligatoire. Tu n'es pas obligé, mais puisque tout le temps, tu donnes. Là, ça devient des habitudes. Et puis, le jour où tu donneras pas, on se dira, voilà. Donc, toi, tu ne donnes pas, Rodi? Quand il y a opportunité ou bien quand il le faut, je donne. Au cas contraire, je garde. Moi, je dirais d'entrée de jeu, dans quel genre de couple ils sont. Parce que je sais qu'il y a des couples où
clairement, le monsieur et la dame se comprennent. C'est mon argent, je gère. Tu n'as pas besoin de me donner. Et si le monsieur veut faire un geste, ça c'est autre chose. Donc je ne sais pas comment ils ont discuté à la base. Est-ce qu'à la base c'est lui qui doit gérer ça déjà en copinage comme ça? Parce qu'il y a des couples où on a parlé de mèches, l'homme doit acheter les mèches, mais il y a des couples où la dame se débrouille et dit c'est pas à toi de m'acheter ça. Toujours en copinage. Mais si tu veux, oui je refuse pas. Mais si tu veux me faire un cadeau, ok, mais c'est pas à toi de m'acheter tout ce que je dois porter. Il y a des femmes qui sont catégoriques comme ça. Bien sûr. Donc dans quel genre de couple il est? Est-ce que il a discuté avec la fille pour comprendre, pour savoir, ok, c'est quoi le truc avec la famille? À chaque fois, s'il faudra que je donne, il faut qu'il comprenne déjà la logique dans laquelle elle est dans la, par rapport à sa famille, pour savoir, ah, si je vais être avec cette fille que je trouve respectueuse et que j'aime bien, donc à chaque problème, il faudra que je débourse. Ou si elle lui dit, en fait, c'est pas obligatoire, en fait, ceci, qu'il discute avec elle pour comprendre, en fait. Sinon, comme l'a dit les uns et les autres, si tu l'as fait 2-3 fois, il faut s'attendre à ce que la famille ou la fille s'attende. Et après, je me demande si c'est la famille qui prend vraiment l'argent ou si c'est elle qui prend l'argent. Peut-être qu'elle épargne. Soit c'est elle, soit c'est sa mère. Non, elle dit peut-être. Mais il faut savoir si c'est elle qui prend, si c'est sa mère qui prend ou si c'est la famille. Donc, c'est pas la même. En tout cas, la fille lui fait croire que c'est pour... Enfin, la pas famille. Lui faire croire. La fille lui dit que c'est pour la famille. Donc, en vrai, on ne sait pas trop. Mais je crois que si on retient bien, pour certains, ça ne devrait pas se faire. Pour d'autres, il faut revoir déjà la base de nos relations, discuter et puis comprendre un peu comment est-ce que votre couple fonctionne. Et à partir de ce moment-là, les choses pourraient être réglées. Mais par contre, toi... Tu parles de respect, que vous dites le respect, ça n'a rien à... Mais le respect aujourd'hui, c'est un socle pour un couple. Une femme qui ne respecte pas l'amour existe, mais le respect... Et cette même fille qui est respectueuse vient à chaque fois soutirer de l'argent. Mais est-ce qu'elle est respectueuse? C'est là, je trouve, elle est respectueuse vis-à-vis de la poche du monsieur. Vis-à-vis du monsieur. Le respect doit passer aussi par la poche. Oui. Il parle par expérience. Ouais. Non. Et moi, il est au pluriel. Non. Moi, il y a l'homme qui dit ah oui, donc pour une fois, il dit pas une chose là. Il parle par expérience et le il est au pluriel. Ouais. D'accord. Naïda, bah, merci beaucoup à toi, mon cher Yass. On va vérifier cette expérience là, mais en attendant, tu as ton colloque avec BD tout à l'heure. Qui a été avec nous. On dit miaou à tout le monde. Le bonjour de Nectar aujourd'hui. Encore une fois, très joyeux. Au mois de juin à tous. Allez planter ce soir, on ira voir à chacun son plan. Pour retirer vos plans, allez faire ce tact-là. Et merci infiniment à tous. On se retrouve demain pour passer une superbe émission. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. Bye 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 bye. Pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces deux ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02.